the best boy. I'm eating tout à la bonne manière, à la bonne sous page YouTube Fondation Moïse. T'as rien connu toute sa fondation a fait, activité culturelle, carnaval, etc. Et vous besoin connaître tout ça a fait, n'a pas à l'abonner, ou like, ou subscribe dans toute sa fondation Moïse a fait. Amen. Octobre 1974. Mes chers amis, un téléphone de New York vient de m'apprendre la mort de l'ex-président Élie Lescaut. 1884-1974. Élie Lescaut est mort. Ce matin, dans les hauteurs de la Boule, à quelques kilomètres de Port-au-Prince, s'est éteint Élie Lescaut. L'ancien chef d'État s'est retiré à l'âge vénérable de 90 ans. Il était entouré de sa famille. Élie Lescaut naquit à Saint-Louis-du-Nord le 9 décembre 1884. Bien que ses parents fussent du Nord, il passa la plus grande partie de sa vie dans le Nord-Ouest. Élie Lescaut occupa d'importantes fonctions dans l'administration de son pays. D'abord, il représenta sa ville natale, Saint-Louis-du-Nord, à la Chambre législative. Mais le député Élie Lescaut dû rentrer chez lui après 2 mois parce que cette législature a été de courte durée. Il épousa en première noces Corinne Jean-Pierre. Il se rendit ensuite à Cuba comme consul général. Veuf et sans enfant, il épousa en deuxième noce Georgina Saint-Aude, la fille d'un homme politique bien connu, non seulement dans le Nord-Ouest, mais dans tout le reste du pays, l'ancien président du Sénat, M. Denis Saint-Aude. De ce mariage, il eut 7 enfants, Gérard, Roger, Henri, Max, Eliane, André et Élie Junior. Il était très préoccupé de l'éducation de ses enfants. Le président Louis Borneau nomma M. Élie Lescaut commissaire du gouvernement à Port-de-Paix. Lors du mariage de la fille de Borneau avec l'ingénieur Brun, Élie Lescaut a été choisi par les fonctionnaires de Port-de-Paix pour les représenter. Il a fait une profonde impression sur le chef de l'État par sa tenue vestimentaire, ses belles manières et tout son comportement. À l'occasion d'une nouvelle formation de cabinet en 1930, le président Louis Borneau fit appel à son commissaire de gouvernement à Port-de-Paix pour occuper le poste de ministre de l'Instruction publique. Ensuite, Élie Lescaut a été nommé commissaire en cassation, où il remplaça un avocat bien connu, Maître Lesse Léger. Au départ de Borneau, Élie Lescaut était juge d'instruction. Le président Sténio Vincent nomma Élie Lescaut ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale. Quelque temps plus tard, arriva l'affaire Calixte
et le président Vincent demanda à son ministre de l'Intérieur de se rendre à Ciudad Trujillo comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. Dans la capitale dominicaine, il se révéla un diplomate né. Il devint l'ami personnel du dictateur dominicain, le généralissime docteur Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Ensuite, il poursuivit sa carrière diplomatique et fut envoyé à Washington comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. Dans la capitale américaine, il représenta Haïti avec brio. On peut dire qu'il était devenu l'ami personnel de M. Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis. Il occupa une place importante à l'Union panaméricaine. M. Elie Lescot reçut à Washington un télégramme du président Vincent annonçant sa nomination comme sénateur de la République. C'était à la fin d'avril 1941. Au début de mai de la même année, le sénateur Elie Lescot prit l'avion sur Port-au-Prince. Et le 15 mai 1941, les deux chambres réunies en session extraordinaire devaient élire le citoyen Léocadie Elie Lescot à la première magistrature de l'État. En 1941, c'est-à-dire le 8 décembre 1941, j'ai eu l'honneur, en ma qualité de jeune speaker, à la station HHBM, 6 à l'avenue O, à Port-au-Prince, de présenter au micro Son Excellence le Président de la République, M. Elie Lescot, dans sa déclaration de guerre au Japon et au pays de l'Axe. En effet, le président Lescot déclara la guerre au Japon avant même les États-Unis d'Amérique. De plus, dans un élan qui a paru à plus d'un, une extravagance inutile, il a offert au président Roosevelt un chèque au montant $1 million représentant la participation d'Haïti aux dépenses des États-Unis pour combattre les fascistes. À ce moment-là, je me rappelle avoir dit à un ami, c'est comme si je me proposais d'offrir un chèque de $500 comme cadeau de Noël à Nelson D. Rockefeller. Dans son fanatisme pro-américain, Elie Lescot donna les meilleures terres arables de notre pays à une compagnie américaine pour la culture du cryptostégia, ce qui fut une erreur capitale. Elie Lescot gouverna le pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans sa conception fastueuse du pouvoir, il voulait mettre Haïti sur la carte d'une façon grandiose. Pour le faire, il ne s'occupa que de la République de Port-au-Prince. Il ne s'occupa que de la capitale. Il sacrifia au prestige la paysannerie haïtienne. Il n'a rien fait pour ceux qui continuent à porter sur leurs épaules fatiguées toute l'économie du pays. Il n'a construit aucune école, aucun hôpital dans les campagnes haïtiennes.
Et l'UNESCO nous a permis de voir défiler au Rex les grands acteurs de la Comédie française. Nous avons vu Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Gérard Philippe et tant d'autres. Et nous avons pu assister aux plus belles pièces du répertoire classique français. Nous avons eu l'occasion d'entendre M. Torres prendre la parole du haut de la tribune au Champ de Mars. Et l'UNESCO a organisé un congrès de philosophie qui fut un grand succès. Nous avons pu rencontrer dans les rues de la capitale des philosophes venus de tous les coins du monde. En particulier, M. Jacques Maritain, philosophe français bien connu. M. Habib Stéphano, le grand philosophe et poète libanais. Comme plusieurs de ses prédécesseurs et de ses successeurs, Élie Lescot n'a pas échappé à la démangeaison de la réélection. Il n'était pas encore installé au Palais National qu'il pensait déjà à se faire réélire. En 1945, un mouvement de jeunesse, un mouvement de gauche, appuyé par le journal La Ruche, et de jeunes gens comme René Despestre, Théodore Becker, René Lafontaine, a commencé à réclamer un peu plus de liberté. C'était devenu une hystérie générale. On pouvait voir sur les voitures des filles qui avaient abusé de la liberté, criant à gorge déployée dans les rues de Port-au-Prince, « Vive la liberté !» Ce mouvement gagna les facultés, les écoles, et c'était la grève générale. Élie Lescot n'a pas su dominer la situation. Pendant que ces jeunes gens parcouraient les rues de la capitale, les politiciens professionnels donnaient une couleur à cette révolte et se préparaient à saisir le pouvoir. Mais l'armée, consciente de sa force, attendait patiemment dans le silence. Le 7 janvier 1946, le colonel Franck Laveau, chef d'état-major des forces armées d'Haïti, flanqué des majors Paul E. Magloire et Antoine Levelt, se trouvait au manoir des Lauriers pour demander au commandant-chef, le président Élie Lescot, de remettre sa démission. Devant la force, devant cette garde prétorienne, le président Lescot s'inclina. Il remit sa démission. Et le lendemain, dans la nuit, il traversa Port-au-Prince endormi pour se rendre au Canada. Sur la terre d'exil, Élie Lescot fit montre d'un grand courage devant l'adversité. Pour le renverser, on l'avait accablé de tous les maux. On l'avait même accusé d'avoir dilapidé la caisse publique. Mais l'avenir a prouvé que Élie Lescot n'avait rien volé. Quand il faut noyer son chien, il est impératif de l'accuser de la rage. Au pays de l'érable, l'ex-président Lescot a pu fouiller dans ses réserves et se retrouver. Il avait de belles qualités de travailleur et d'artisan. Il se mit au travail et commença à confectionner des cravates et des valises pour survivre avec sa famille. En 1954, un des membres du comité exécutif militaire, un des trois subordonnés qui lui avait demandé de remettre sa démission le 7 janvier 1946, occupait le fauteuil présidentiel. Monsieur Paul E. Magloire, président d'Haïti, invita
son commandant en chef, l'ex-président Eli Lescot, à venir au pays. Eli Lescot accepta l'invitation. Il fut salué devant le palais national par la garde présidentielle en tenue de gala. Il reçut tous les honneurs dus à un chef d'État. Après un court séjour, il se rendit à Paris où il voulait établir définitivement sa résidence. Mais la rigueur du climat l'obligea à retourner à Port-au-Prince. Il décida de s'établir à La Boule. Il vivait péniblement. Un jour, le jeune président Duvalier, passant sur la route, remarqua M. Gérard Lescot et demanda au général Gracia Jacques ce qu'il faisait tout seul à pied sur la route. Quand il apprit qu'il avait devant lui le fils d'un ancien président, il s'étonna. Et quand on lui montra la petite maison où vivait l'ex-président Eli Lescot avec sa femme, son étonnement fut encore plus grand. Il envoya son ministre des Finances auprès de M. Eli Lescot et, après avoir pris tous les renseignements nécessaires, l'État haïtien devait près de 13 000 dollars à Eli Lescot. Un chèque a été émis au nom de l'ancien président et le jeune président, qui n'était pas encore né au départ d'Eli Lescot, liquida en sa faveur une pension de 1 000 dollars le mois. Eli Lescot a représenté son pays avec la plus grande fierté et aussi avec toute la pompe nécessaire. Il avait sa conception du patriotisme. Je ne suis pas autorisé de le juger. Il appartient maintenant à l'histoire.